Situation nationale, le ministre en charge de la Défense dénonce une coalition internationale contre le Burkina Faso. Le gouvernement a fait le point de la lutte contre le terrorisme aux représentants de partis politiques, organisations de la société civile et syndicats. Sur le drame de Karma, la justice militaire, elle, révèle une audition de 12 personnes. Les différentes réactions à suivre en début d'édition. À la une également, liberté de la presse dans le monde, le Burkina Faso perd 17 places et est classé 58e sur 180 pays selon le classement de Reporters sans frontières, une régression qui inquiète bon nombre d'acteurs du domaine. Le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo déplore une tentative de remise en cause de la liberté de la presse au Burkina Faso. Nous serons aussi à Bobo Dioulasso pour les échos de la SNC 2023. La Lonabe, sponsor officiel, offre un chèque de 50 millions de francs CFA et c'est le directeur général de la Lonabe qui a procédé à la remise du chèque au comité national d'organisation. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous suivre. Direction la présidence du Faso pour le point du Conseil des ministres. Présidé par le président de la transition, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers. Au titre du ministère en charge du travail, 3 décrets ont été adoptés. Ces décrets sont en lien avec les modalités de retenue pour fait de grève et le prélèvement à la source des cotisations syndicales des agents publics de l'État. On en sait davantage avec Mamidriana Kamabo. Le premier décret porte sur le prélèvement à la source des cotisations syndicales des agents publics de l'État et les modalités de mise en œuvre. Pour le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazier, ce décret devra permettre à l'organisation syndicale d'être financièrement indépendante et à l'État de veiller au contrôle de la transparence des ressources. C'est ça qu'on appelle le « check-off ». Et il est aussi appelé précompte syndical. Comme son titre l'indique, c'est un prélèvement volontaire, ce qui signifie que le militant syndical remplit une fiche qui permet à l'État de savoir quel est le montant qu'il consent au nom de son organisation syndicale, et ce montant est coupé et reversé dans un compte qui est dûment indiqué et exprimé par l'organisation syndicale en question. Le deuxième projet de décret adopté au titre de ce même ministère est relatif aux procédures de traitement et modalités de liquidation de la retenue pour fait de grève. Ce texte vient disposer clairement quand texte on doit retenir l'argent d'un travailleur qui est parti en grève, quel est le montant qui doit être retenu, et le montant qui doit être retenu, c'est le 30e indivisible du salaire de base. Et de ce point de vue, dès lors que c'est clair, si quelqu'un a été en grève pendant 3 jours, une semaine, lui-même il sait directement à quoi s'attendre. Le troisième dossier adopté au titre du ministère en charge de la fonction publique est relatif à la fixation du nombre et de la modalité de signation des agents publics de l'État bénéficiaires de mise à disposition auprès des organisations syndicales. Pour Bassolma Bazier, ce décret concerne essentiellement ce que l'on appelle les permanents syndicaux. Ce décret permet de dire si les travailleurs ont eu confiance en vous et vous élire en tant que premier responsable pour parler au nom des travailleurs, il faut forcément que l'État crée les conditions pour que l'intéressé soit disponible à tout moment afin qu'il puisse, face à un certain nombre de préoccupations, donner son point de vue dans la vie de la nation. Le ministre Bassolma Bazier précise que l'adoption de ces 3 décrets permet au Burkina Faso d'être en conformité avec l'ensemble des conventions internationales, notamment la Convention 87 et la Convention 98 de l'Organisation internationale du travail. Et au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a examiné et validé une demande de permis d'exploitation industrielle de la mine d'or de Poura à la société Poura Gold Operation SA. Suivant ce extrait des explications du ministre en charge des Mines, Simon-Pierre Boussim. La société Poura Gold Operation SA est une société effectivement qui a été créée par Poura Resources Limited, elle-même
une filiale de Clove Africa Associates. Le rappel de la situation de Poura, c'est que vous savez, aujourd'hui, Poura, il y a beaucoup d'orpaillage, beaucoup de pollution en termes de l'environnement, l'utilisation de cyanure, etc. Et il faut encadrer cela. Et une société avait un contrat, Newmont, qui avait donc un contrat avec l'État pour faire la recherche. Et cette société a cédé son permis de recherche à Poura Resources Limited. Et donc, Poura Resources Limited a effectivement approfondi les travaux, et trouvé donc des ressources minières et aujourd'hui demande un permis d'exploitation. Alors, qu'est-ce qu'à la fin, on va avoir comme retombée pour l'État? Premièrement, il faut dire qu'en termes de production, cette mine va produire environ 11,47 tonnes d'or. Et elle a donc un permis d'exploitation qui doit durer 10 ans. Et elle doit couvrir 32,59 km². Et se situe donc sur le permis de recherche de Poura Nord. En termes de ressources, elle va permettre à l'État de bénéficier d'environ 51 351 950 000 60 francs CFA, donc en termes de recettes budgétaires. Et ça, elle va aussi permettre d'abonder les fonds miniers de développement local, qui est donc profitable aux collectivités, aux régions, etc., à hauteur de 2 956 054 662 francs. Et aussi, elle va permettre, à la fin des travaux, de réhabiliter Poura avant de fermer la mine. Et donc, quand on donne la durée de vie de la mine, toutes ces actions font partie. Donc, les actions de fermeture, de réhabilitation font partie donc de cette durée. Le gouvernement a convoqué les organisations de la société civile, les représentants de partis politiques et les syndicats ce 3 mai pour faire le point de la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense nationale a indiqué à cette rencontre qu'il existe une coalition internationale contre le Burkina Faso dans le cadre de cette lutte. Le ministre Koulibaly a également précisé que le Burkina ne bénéficie pas encore de soutien étranger et mène la lutte avec ses propres moyens. On fait le point avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est le premier groupe terroriste qui perpétue 90% des attaques terroristes sur le plan national burkinabé. Le second, l'État islamique au Grand Sahara, qui perpétue 9% des attaques. C'est l'état de la situation sécuritaire dépeint par l'Agence nationale de renseignement aux organisations de la société civile et les syndicats à cette rencontre d'information sur la situation sécuritaire. Plusieurs mesures sont prises par le gouvernement pour la sécurisation de la population, notamment le renforcement du maillage sécuritaire, la formation et équipement des FDS et VDP, l'acquisition des moyens stratégiques pour ne citer que ceux-ci. Malgré ces efforts déployés par le gouvernement, des difficultés demeurent. Sachez, il faut être clair là-dessus, il y a vraiment une coalition internationale contre le Burkina Faso actuellement. Et ça, on doit le comprendre. Par rapport à la ligne directrice que nous avons prise, il faut qu'on en soit conscient. Que chacun y mette et que chacun le comprenne. Nous le notons parce que, même par les différents actes qui se passent, nous avons actuellement beaucoup de violations de notre espace aérien. Mais on essaie de les gérer en collatéral, en bilatéral. Nous prévenons. L'autre volet de cette rencontre, la question des droits humains dans ce contexte de terrorisme. Les mesures et moyens de prévention ainsi que ceux de répression mis en œuvre sont également présentés aux forces vives. Les dossiers brûlants comme ceux d'Inata, de Tawalabougou, de Yirgou, de Nouna, les allégations sur les tueries des pèlerins dans l'est du pays connaissent des avancées. Le dernier drame, celui de Karma, est également en cours avec des interpellations et des auditions selon le colonel Yameyogo. Une rencontre qui a permis aux participants de comprendre les efforts consentis par le gouvernement dans cette guerre asymétrique. Nous sommes vraiment fiers parce que quand on parle de droits de l'homme, et moi je pense que le Burkina Faso est un pays de droits de l'homme, c'est un pays qui respecte le droit de l'homme. Mais on a vu des enfants, des femmes engrosser des vieux qui sont là non armés et ces terroristes les ont tués. Quels droits de l'homme qui ont pu évoquer de dire d'arrêter ces terroristes-là? Donc ils n'ont qu'à faire attention parce qu'ils ne connaissent pas mieux le droit de l'homme que nous, les Burkinabés. En tout cas, qui veulent faire du mal au peuple burkinabé. Et nous tenons en garde ces ordres de personnes-là et nous mettons aussi et nous dénonçons leurs faits
et nous tenons à la communauté internationale, en tout cas, du fait. Si le Burkina Faso a été envahi un jour ou l'autre, en tout cas, il faudra plus qu'ils viennent nous enseigner des droits de l'homme ici au Burkina Faso. Après les organisations de la société civile et les syndicats, c'était le tour des partis politiques de connaître la réalité du terrain, des théâtres des opérations de reconquête et de sauvegarde de l'intégrité nationale. Les formations politiques, elles aussi, ont l'espoir quant au retour de la paix et de la stabilité dans cette nation. Et je pense qu'aujourd'hui, la justice fait son travail et nous espérons que ce travail produira des résultats efficaces et contribuera à restaurer la sérénité et la cohésion dans notre nation. Nous avons des prémices que la situation quelque part est en train de s'améliorer et donc nous gardons espoir qu'effectivement d'ici là, comme le gouvernement l'a dit, nous aurons vraiment des résultats probants et que peut-être nous le souhaitons vivement que plus de la moitié donc du territoire soit libéré. Plusieurs résultats sont engrangés dans cette lutte, mais il reste encore à faire. Le ministre d'État en charge de la fonction publique invite l'ensemble de la population à une union sacrée autour des forces de défense et de sécurité pour faire face à cette menace terroriste. Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai, le Burkina Faso perd 17 places par rapport à l'année dernière. Il est classé 58e sur 180 pays. Cette 30e édition se tient dans un contexte de transition et de lutte contre les groupes armés terroristes. En marge de la cérémonie officielle, le président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo a déploré une tentative de remise en cause de la liberté de la presse au Burkina Faso. Abdoul Rahim Yeye. Les autorités et leur inconditionnel soutien doivent se rendre à l'évidence que la répression de la presse n'a jamais été une solution. C'est sans langue de bois que le Centre national de presse décrit la situation de la liberté de presse au Burkina Faso. Une déclaration prononcée par le président du comité technique du Centre national de presse Norbert Zongo. Inoussa Ouédraogo affirme que l'on assiste de plus en plus à des mauvais jugements sur les journalistes et les médias de manière générale. Des menaces de mort contre des journalistes sont également soulignées dans le discours. Inoussa Ouédraogo estime que s'en prendre aux journalistes n'est pas la solution contre le terrorisme. Certains de nos concitoyens, y compris des autorités, pour des desseins que nous ignorons pour l'instant, accusent les médias de mettre leurs plumes, leurs caméras et leurs micros au service des terroristes. Quel sacrilège! Ceux qui tiennent ce discours ont un problème avec la vérité. Ces fatwas sur la presse burkinabé s'inscrivent dans un plan machiavélique de diabolisation du travail des journalistes dont le seul malheur est de refuser le bâillonnement, l'instrumentalisation, la dictée de la pensée unique et la déification de l'autorité. Cette situation de diabolisation du travail de la presse est due au fait que la presse refuse l'instrumentalisation, selon le président du comité de pilotage. Pour lui, la presse a un rôle important à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Comme toujours, la presse a usé de sa mission d'alerte dès les premiers moments de cette crise sécuritaire. Malheureusement, elle n'a pas été entendue. Nous avons à diverses reprises demandé à nos autorités de fuir le saupoudrage, de travailler dans la transparence, de se contenter de la vérité, de rendre compte régulièrement aux citoyens. Nous leur avons fortement suggéré de travailler à obtenir la confiance des populations, d'éviter les exécutions sommaires et extrajudiciaires et d'équiper fortement et qualitativement nos FDS. Hélas! Cette 30e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse marque également le 25e anniversaire de la création du Centre national de presse Norbert Zongo, occasion de présenter les actions menées par le centre en faveur de la liberté de presse au Burkina Faso et de rendre hommage aux dévanciers qui ont participé à la création de ce centre, parmi lesquels feu Norbert Zongo. Notons que pour cette année, le Burkina Faso a perdu 17 places dans le classement mondial de la liberté de presse. Le pays occupe désormais la 58e place.
Et cette régression du Burkina dans le classement mondial est sans doute due à la crise sécuritaire. Dans cette situation, les journalistes ne sont pas toujours compris par une partie de la population. Conséquence, leurs vies sont de plus en plus menacées. Que fait justement le CSC, le gendarme des médias, pour protéger ces journalistes victimes de menaces? Comment les journalistes doivent-ils se comporter dans ce contexte de crise? Autant de questions qui ont été posées par Maxime Jean-Eudes Bambara au président du CSC, Abdoulaziz Bamogo. La liberté de la presse a pris un coup dur au Burkina Faso depuis l'avènement du terrorisme. C'est le constat que fait le président du Conseil supérieur de la communication CSC, Abdoulaziz Bamogo, au regard des difficultés que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leur profession. Des difficultés liées notamment à la collecte de l'information dans certaines zones inaccessibles, à l'autocensure et aussi à la stratégie de communication du gouvernement qui ne facilite pas le travail des journalistes. On comprend l'attitude du gouvernement qui est en train de mener la lutte contre le terrorisme et qui pense que là-dessus, l'information est stratégique. Et ils ne vont pas mettre toutes les informations sur la place publique. Mais notre démarche, aussi en portant ce plaidoyer, c'était de pouvoir leur dire « Oui, mais il y a aussi d'autres éléments d'information qu'il est juste de mettre à la disposition du citoyen sans que ça ne cause problème. » Et donc, on pense que le gouvernement pouvait faire l'effort de pouvoir faire cette mise à disposition des informations dont les citoyens ont besoin, ne serait-ce que pour pouvoir eux-mêmes prendre en charge leur sécurité dans le déplacement et autres, quand ça n'est pas s'exposer aux attaques. Et Dieu merci, je pense que les choses ont assez bien évolué dans la compréhension des autorités gouvernementales. Des rendez-vous avec la presse qui étaient arrêtés ont repris et je pense que c'est bien de le saluer. L'autre difficulté, c'est celle relative aux menaces dont sont victimes de plus en plus les journalistes. En tant que régulateur, ce que nous pouvons faire, premièrement, c'est de les écouter. Voilà. Beaucoup nous ont sollicité. Ce matin encore, j'ai reçu un courrier de certains qui veulent rencontrer le régulateur. Je pense qu'il faut les écouter. Il faut les écouter pour comprendre. Il faut les écouter aussi pour amortir le stress qui est lié à ces menaces et à ces attaques contre ses concitoyens. Pour le président du CSC, le terrorisme est un phénomène nouveau et les journalistes ne sauraient être pris pour responsables. D'où la nécessité pour ce dernier de sensibiliser davantage et former les journalistes à mieux cerner les enjeux de cette crise sécuritaire que traverse le pays. C'est une situation nouvelle. C'est une situation qui nous a tous surpris. Personne ne s'y attendait. Même le gouvernement cherche comment mieux communiquer dans ce contexte de crise sécuritaire. Personne ne s'y attendait. Aujourd'hui, nous sommes dans la crise et nous cherchons comment faire pour qu'on puisse s'en sortir. C'est la même chose pour les médias et pour les journalistes. C'est pourquoi nous, au niveau du Conseil supérieur de la communication, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'efforts dans la sensibilisation et dans la formation des acteurs médiatiques afin que on puisse discuter ensemble pour voir, voici la réalité de la situation. Comment, en tant que professionnel de médias, on joue notre meilleur rôle dans ce contexte de défis sécuritaires. Loin d'être des ennemis de la nation, les médias doivent, selon le président du CSC, être considérés comme une partie de la solution aux problèmes que connaît le Burkina Faso. Abdoulaziz Bamogo invite donc les populations à la retenue et à la pondération dans les critiques. C'est clair que dans cette situation difficile, les acteurs pourront commettre des impairs, pourront commettre des fautes, des manquements, pourront faire des choses qui ne sont pas forcément ce que certains concitoyens attendent. Mais la critique doit viser à ce qu'ils s'améliorent pour qu'ils puissent mieux faire dans l'intérêt de notre pays. Mais la critique ne doit pas les exposer à un lynchage de public. Ce ne serait pas une bonne chose, ça ne va pas nous aider. Parce que nous devons compter avec les médias, avec les journalistes, avec nos animateurs pour sortir de cette situation de crise. Ce que les journalistes font, ce que les médias font, c'est ce qui permet de construire une conscience collective qui va lutter contre le terrorisme. Si on ne les intègre pas dans la façon de lutter contre le terrorisme, je pense qu'on aurait perdu un grand acteur dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Tout en traduisant ses encouragements aux journalistes à l'occasion de la commémoration de la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président du CSC les interpelle à davantage assumer leurs responsabilités sociales, notamment dans la sensibilisation de la population sur les questions de paix et de cohésion sociale.
À présent, les échos de la Semaine nationale de la culture dans ce journal. La Lonabe, le sponsor officiel de cette 20e édition, a sorti le chéquier. La société offre 50 millions de francs CFA au comité national d'organisation. Le chèque a été remis ce 3 mai du côté de Bobo Dioulasso et le compte rendu avec Serge Badeau. Dans le cadre d'une organisation réussie de la Biennale culturelle, la nationale des Jeux de Hazara a porté sa touche. Selon son premier responsable, Ibrahim Ben Aruna Zarani, conformément à sa mission, la Loterie nationale burkinabé soutient l'État dans la promotion de la culture. Et c'est en cela qu'elle accompagne la Semaine nationale de la culture, qui constitue un levier de développement pour le Burkina Faso. La Semaine nationale de la culture reste et demeure une véritable vitrine de brassage et le dialogue culturel dans toute sa diversité entre le Burkina Faso et le reste du monde. C'est donc à juste titre que l'écrivain André Malraux affirme que, je cite, « La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. » Fin de citation. Conscient de l'importance que révèle la SNC pour notre pays, nous pouvons dire que la réussite de la 20e édition n'est pas seulement la responsabilité du ministère en charge de la culture, ni uniquement celle de la direction générale de la SNC, mais elle est aussi et surtout la responsabilité de tous, de tous les Burkinabés pris individuellement et collectivement. La Semaine nationale de la culture est une vitrine de brassage de dialogue culturel dans toute sa diversité. Et ce montant sera utilisé à bon escient selon le président du comité national d'organisation, par ailleurs secrétaire général du ministère en charge de la communication, Fidèle Tamini. Et cette émission se tient grâce à l'accompagnement des structures comme la Lonabe. Au nom de monsieur le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, et au nom du Comité national d'organisation de la 20e SNC, je voudrais traduire notre profonde gratitude à la Lonabe. Monsieur le directeur général, à travers cette contribution qui vient à point nommé, vous donnez un témoignage éloquent de la fidélité de la Lonabe à son slogan « Les lots aux gagnants, les bénéfices aux façons ». Ce soutien consistant en cette période particulièrement difficile montre combien l'entreprise citoyenne qu'est la Lonabe est soucieuse de la vie de la nation. Ce soutien de la nationale des Jeux de Hasard entre en droite ligne avec son plan stratégique, notamment l'accroissement de sa responsabilité sociale. Notons que la Lonabe est le sponsor officiel de cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture. SNC toujours, le Grand Prix national des arts et des lettres est l'un des événements phares de la Semaine nationale de la culture. Cette discipline réunit des artistes des 13 régions du Burkina et leur offre un cadre pour montrer leur savoir-faire. Cette année, 5 catégories sont en liste et on les découvre dans ce reportage de Joseph Koudgou. À la conquête du Grand Prix national des arts et des lettres pour adultes de la Semaine nationale de la culture SNC 2023. Des orchestres, des troupes font partie de cette compétition. Parmi eux, l'orchestre Trait d'Union du Bazega. Nous nous sentons en tout cas contents parce que tout ce qu'on avait planifié au niveau de la répétition, on a pu exécuter. C'est vrai, les coquilles, ça ne manque pas. Mais bon, on est vraiment fiers de ce qu'on a eu à faire. Il y a aussi le fait qu'au niveau de la technique, souvent ce n'était pas ça. Quand vous avez remarqué la prestation, on a balancé, on est revenu. Bon, il y a eu un petit retard dû à la technique. Donc bon, il y a toujours ces choses, il y a beaucoup de choses à améliorer. L'orchestre ensemble musical Le Levain du Kadioko a aussi fait voyager le public avec un mélange des rythmes du terroir. C'était pas facile. Voilà, après plusieurs reports, la SNC, les autorités ont décidé cette année en tout cas de concrétiser la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Et pour notre première participation, ce n'était pas évident. C'est vrai qu'on a un peu l'expérience des scènes, mais là nous étions en compétition. Et il y a le stress de la compétition et tout, mais on a donné tout ce qu'on pouvait. J'espère que les prochaines éditions, les autorités prendront les mesures idoines pour que les choses s'améliorent. Beaucoup plus dans le côté sonorisation, voilà, parce que la
salle n'est pas adéquate. Et quand c'est comme ça, il faut vraiment renforcer la sonorisation. La troupe Narakom de la diaspora ivoirienne était au rendez-vous avec des démonstrations du Liwaga. C'est sérieusement dit, on est très contente, très émue aussi. Donc on attend le résultat pour voir. Ça m'a dépassé au fait. Et puis c'est pas nouveau au fait. Après tout, c'est la troupe Narakango d'Abidjan. Nous, c'est une fierté. Puisque aujourd'hui, toute la diaspora est représentée ici par le Liwa Narakango à la SNC. Et la SNC qui est une vitrine culturelle des Burkinabés. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être présents à cette tribune. Le jeu pénal de la SNC 2023, faut-il le rappeler, met en compétition 5 grandes catégories. Les résultats sont attendus pour le samedi 6 mai 2023. En sport, pour clore ce journal, le Centre national des œuvres universitaires, dans le but de promouvoir le sport et permettre aux étudiants de s'épanouir, a mis en place deux compétitions interuniversitaires. Il s'agit d'un tournoi de football et d'un tournoi d'handball, des compétitions lancées samedi dernier par le directeur du CNU, Assami Tiemtoré. 26 équipes en football et 12 en handball prennent part à ce tournoi. En football, le match d'ouverture a opposé l'équipe de l'ISSDH en bleu à celle de l'STP en vert. En première partie, les deux équipes se tiennent à la culotte et le score reste vierge. C'est dans la deuxième partie, suite à une boute du portier de l'STP, que l'ISSDH ouvre la marque. Après ce but, rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final. L'ISSDH l'emporte par un but à zéro. À Andal, l'équipe féminine de l'ISSDH s'impose également devant celle de l'université Joseph Kizerbo. Un objectif qui est de permettre aux étudiants de s'épanouir et de se frotter, selon Noël Tondiano, le directeur général du CNU. L'une des missions qu'on a assignées au CNU, c'est d'arriver aussi à promouvoir le sport et la culture au sein de nos universités, tant publiques que privées. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette septième édition du championnat interuniversitaire de football et la troisième édition du championnat de handball féminin. L'attente, c'est l'objectif qui a été assigné, c'est l'épanouissement de nos étudiants à travers la pratique du sport. Comme c'est un sport collectif, ça permet aux étudiants de se frôler et d'entretenir une relation conviviale entre eux. Une compétition bien accueillie par la direction régionale du centre qui dit accompagner fermement cette initiative par l'organisation technique. Nous accueillons en tout cas cette organisation, en tout cas les bras ouverts. Il faut dire que c'est une compétition qui intéresse les étudiants. Et quand on parle de sport, nous savons que c'est au niveau en tout cas de nos universités que pour la plupart en tout cas des équipes en tout cas recrutent bien sûr les joueurs. Donc nous sommes venus en tout cas au côté bien sûr du CNU pour accompagner l'organisation technique des matchs. C'est un championnat, football c'est la 7e édition, handball la 3e. Donc le ministère au niveau des directions régionales, nous accompagnons l'organisation technique bien sûr de ces compétitions. Ces compétitions vont se tenir pendant 2 mois et les finales sont prévues se jouer à la fin du mois de juin à Bourg-du-Lasso. Et on s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive. Au revoir.